Salut YouTube! Cette game est juste énorme, c'est une win à la MK2. Il y a eu des stream hackers, on s'est rendu compte au final qu'ils étaient. Bon, c'est stream hackers, donc c'est pas forcément des bonnes personnes, mais ils étaient plutôt marrants. Voilà. Vous allez voir pourquoi. Et je tiens aussi à donner mes condoléances et toutes mes pensées à Moustache, qui nous a quittés brutalement. Au revoir, Moustache. Abonnez-vous, j'étais à ça de la perfection. Sacrément bon lui hein. Oh. Il a raison sur Kada. Trop fort toi, comment t'as su? Mais non, mais comment tu descends? Le mineur du 78. Hop là, ça dégage le pote ATK. Lui, streamac, mais comment il pouvait pas savoir que j'étais en bas? J'ai full silence de mort exprès. Donc, oh ouais, bien sûr. Putain, hey Youn, t'es qu'une merde. Le mec, il écrit sur le chat que c'était lui. Il est débile. Contact ennemi. Regardez, il va essayer de monter dans la voiture, je vais lui coller une termite. Regardez. Allez go, on y va. On va aller jeter un coup d'œil là-bas, comment ça se passe. We'll be right back.
T'as tué Monsieur Moustache? Je marque l'emplacement du... Ça bouge. Monsieur Moustache, il l'a tué. Allons-y. Vengeance! T'as tué Monsieur Moustache ? C'est toi qui as tué Monsieur Moustache ? C'est bon, je t'ai vengé, Monsieur Moustache. Repose en paix maintenant. Venge-le, retrouve-le. Mais des Monsieur Moustache, ça se retrouve pas partout, hein. Surtout que je vois que j'ai 3 spectateurs. Je me dis que Monsieur Moustache, il est sûrement dans l'un d'eux. Je suis dégoûté. C'est comme un chien qui meurt, les gars. C'est un chien, mais t'y tiens, quoi. Je pense que cette nouvelle nous a tous affectés ce matin. Et on va tenir un moment de silence pour Monsieur Moustache. Monsieur Moustache. J'ai l'impression de tirer à travers les gens, de tirer des balles à blanc, de... En fait, j'ai l'impression de tout faire avec cette arme, à part tirer sur les gens correctement. Eh hey Didier, sac à merde, t'es là ? Sur la tête de ma mère, je vais voler ta i8, je vais la mettre dans un platane. C'est bien ça, sa petite manette à lui pour sauter. Il joue avec quoi? Ah, la MP5. Reconnaissance de zone imminente. Un drone arrive sur zone. C'est pas évident, hein. C'est la MK2, on n'est pas sur quelque chose d'évident. Apparemment, il y a quelqu'un à... Reconnaissance de zone imminente. Un drone arrive sur... Il y a deux mecs devant moi et je viens de prendre une balle dans le cul.
Y'a un sniper qui est en train de me shooter, les gars. C'est bon ou c'est l'enfer ce secteur là? Y'a trois mecs qui circulent dans la baraque, plus un sniper qui tire sur les gens qui sortent. Bordel. T'es infernal comme mec, toi. Putain, j'en ai vu des gens circuler comme des malades mentaux en balançant du stuff partout pour jouer leur vie. Alors lui, c'est vrai que il battait un record de JJMV quand même. Pourtant, il joue avec des armes que personne n'utilise. Phare et M16. Il vient de se faire tuer par un joueur bouclier MK2. Oh! Vous avez vu? Ok, cool, nice. Nice aim, ciao. Attention, le drone n'a plus de carburant. Retour à la base pour ravitaillement. Elle tire à blanc. C'est quoi cette merde, chat? On a besoin de reconnaissance. Un drone arrive sur zone. Place un repère. Il cheat en fait. Il cheat, gros. Comment il a fait pour savoir que j'arrivais, gros? Tiens. Allez, essaie de survivre à ça. C'est encore lui? Capteur peut-être? Capteur. La victoire n'est plus très loin. Ouais, peut-être capteur en fait. T'as raison. T'as raison, poulet. On est encore en vie, les gars, avec notre arme dite cacahuète. Miaou! Notez les corps, laissez tomber. Bon, j'ai rien dit sur cette arme. Le tout tap. Le tout tap qui passe, les gars. The double headshot. The double headshot très très clean. Je reste dans ce secteur, les gars, parce que je suis en bord de zone. Comme ça, j'ai juste à contrôler mon back. La position forte, c'est évidemment ici. Mais il y a aussi les mecs qui sont sur cette colline. J'ai une frappe de précision. C'est giga fort dans ce genre de situation. Donc. Je tampons ma zone, tout simplement. Je vais pas avancer en plein milieu du bâtiment, ça servira à rien, je me ferai sûrement backstab. Donc, stratégiquement, c'est malin d'être ici. Ok. Ok, c'est une zone qui ne me convient pas, mais je l'accepte. Ok, donc on a toute la zone qui est prise. En fait, là du coup... pour les gens qui vont regarder, donc je pense notamment aux personnes de YouTube, les personnes qui sont sur cette hauteur vont avoir l'avantage parce qu'ils vont avoir ce petit dénivelé. Du coup, ce qu'il me suffit de faire, moi,
c'est... Alors, je devrais faire le tour par là, mais c'est... J'ai perdu trop de temps. Donc, je vais passer par là. Là, il faudra faire attention aux fenêtres. Et, ce... genre ce cas... Hop là. Alors, on commence à avoir des... De l'écho. Vas-y, là. Et là, il y a un mec, voilà, mais il avait la superposition. Il voit le camion arriver, logique. Il se barre de la superposition. Je vais lui écraser sa grand-mère. Gros. Boss. Il jouait dans les cailloux, les gars. J'ai pas trouvé. Oh, un panneau. Donc là, la zone est plutôt pas mal parce que ça se finit hors zone. Merde. Alors, comment se positionner quand c'est comme ça? Le camion sert de cover. Le camion sauve. Là, actuellement, j'aurais pas de camion. Je serais mort. On peut remarquer qu'il y a un tireur d'élite à la fenêtre de droite. Et donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais rester vraiment excentré des combats. En mode, c'est pas ma guerre. Parce qu'au final, c'est vrai que ça va pas être notre guerre. Regarde, tous les derniers joueurs, ils sont là-dedans. Ça va se fighter au rez-de-chaussée, au premier étage, ils vont tous se foutre sur la gueule. Là, sûrement que ce sera juste une 16 kills et je vais faire un petit 1 contre 1 à la fin et puis basta, tu vois. Le seul truc que je risque là actuellement, c'est un coup de lance-roquette. Sinon on est bien, tu vois. Regarde, ce coup-là est vu là, dans le buisson allongé, les gars. Et là, c'est le moment d'arriver, tu vois, de faire ça. On peut mettre des petits headshots aussi. C'est toujours mignon. Alors là, ça se cache dans les buissons, hein. ça joue le, ça fait le rat. Ça fait la technique des rats. Ah là là, le schlink est pour eux. Je fais une marche arrière. Hop. Mon camion est mort. Je vais avancer tranquillement, les gars. Et je vais me poser sur le bord de zone droite. Ok? Il reste 4 personnes, donc autant se dire qu'il reste sûrement quelqu'un juste à côté de moi. Hop. Là, on n'est pas si mal. Enfin, on a un schling de zone vers nous. Donc là, ça va être au méchant d'avancer vers nous. Je garde ma ligne, 1 contre 1. On le laisse se relever. Je dédicace cette game à Moustache qui nous manque encore. T'es dans l'artère des pecs, Moustache. On pense à toi, frérot. Ah ouais, putain. Gros fils de pute, on t'entend streamaquer, sombre merde. GG chaud. Merci. Merci, les gars. Bien joué. Bien. Bah, je stream même fort. Bisous, les gars. J'ai eu de la chatte de tomber sur toi, je te jure. J'ai pas eu de la chatte, je t'ai brisé en deux, gros. Ah, tu m'as sodomisé le cul. Bisous, les mecs. Bisous, yo. Yes.